Salut les viewers, c'est Marcus Paulus et bienvenue dans la Playroom, c'est l'épisode de Starbound V5, Please de Giraffe. Et il... Alors c'est des cendres ou c'est des... carrément des flammes? C'est des petites flammes qui tombent, d'accord. Hop, non. Oh, j'avais oublié ça. Oh. Star Wars. Sabre laser. Boum. Et comment ça s'appelle ce petit pouvoir là? Giant Sword, d'accord, ça sera à noter. Ça sera à noter. J'irai peut-être voir, chers amis, entre temps, s'il n'y a pas des mods sympas. Des mods sympas pour le jeu. Par contre, là, non, ça va pas le faire. Hop, voilà. Hop. Non, c'est plutôt ça que je voulais faire. Hop, voilà. Aïe. Vas-y, viens, j'attends. Hop, les... Hop. Hop, les... Ces techniques de combat. Je suis pas un chevalier de reine, mais presque. Oula. Hop, les... I'm singing in the rain of flames. I'm singing in the rain of flames. Voilà. Hop. Viens voir papa, c'est bon. Crac, crac. Voilà. Bon. C'est quand même mille fois mieux avec ce double saut. Oulala. Là là. On a frôlé la mort. Hop, viens voir papa. Ah, la vache. Dégage. Raté. Eh ben non. Eh ben non. Tu m'as raté. Eh ben non. Hop les... Voilà, j'ai fui, chers amis. Allègrement. Allez, la suite. C'est un peu mort quand même comme planète, hein. C'est peut-être ça que je regrette le plus sur les planètes de type volcanique, comme on est sur une planète de type volcanique à l'heure actuelle, j'ai oublié de le préciser. C'est que, en fait, elles sont... Bah écoutez, dans le même système, en fait, dans les systèmes Fiery, il y a les planètes de type dead. Non, c'est bon, ça ne touchera pas. Les planètes de type dead, elles sont pas vraiment différentes au final, il n'y a rien sur ces planètes. Aïe. Oh, puis, deuxième attaque. Hop, ok, c'est cool. Hop les... Ouais, je trouve qu'elles sont... Elles sont pas vides, je dirais, mais... Si, bah justement, si, elles sont complètement mortes, en fait, hein, faut le dire. Hein, faut le dire ce qui est, chers amis. Hein. Elles sont complètement mortes, visuellement, je trouve. Hein. Mortes et dangereuses, en fait. Parce qu'en fait, ce qu'ils ont considéré, c'est qu'une planète volcanique avait des retombées constantes et dangereuses. Alors certes, elles en ont, mais... Ouais, je sais pas. Je sais pas. Est-ce qu'on considère qu'une planète est de type volcanique parce qu'en fait elle est surplombée de milliers de... Enfin de centaines de... Ouais, enfin d'une grosse quantité de... Comment, de volcans. On va pas dire centaines de milliers parce que ça dépend de la taille en fait, c'est pour ça. Hop. Hop les... Merci d'être passé. Aïe. Mais si c'est le cas, est-ce que ça implique forcément des retombées, je veux dire, au contraire, on a plein de... Je veux dire, si on a la technologie pour résister un petit peu à la... Ah bah non, on n'a pas la technologie pour résister au magma. C'est dommage. Non, jusque-là, ça fait sens, en fait. C'est moi qui dis des conneries, ça fait plutôt sens. N'ayant pas la technologie pour résister au magma, en fait, on peut pas se permettre d'avoir une technologie, d'avoir des commandes, des blocs résistants à cette chaleur. Wouah ! Hop, les... Hop. C'est fait, elle est vraiment géniale cette épée, hein. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. On va en profiter pour dormir un petit coup parce que là, niveau santé, on n'est pas bon. Alors. Oh là là, on a un ennemi qui arrive. On a un ennemi. Non, c'est bon. Hop. Ah, saloperie.
pile quand je regardais l'heure qu'il était pour voir la durée de l'épisode et quelle heure j'avais commencé. C'est pas grave, on va faire le tour de la planète et puis on s'arrêtera là. Hop. Non, tu ne mourras pas. Ok, l'attaque charge du Pokémon. Hop les. Du coup, je me suis régène pour rien, hein, soyons honnêtes. Ok, tu me saoules, toi. Il s'appelle Reviens. Hop. Oh, il est tombé dans le seul trou que je pourrais pas atteindre. Hop. Oh. Voilà, là, ça a bien marché. Oh, je tombe dans le seul trou avec de la lave. Ça m'avait tellement pas manqué. Je trouverai un aspirateur un jour. Et cet aspirateur, en fait... Oh, la gueule. Non, meurs pas. Putain. Je déteste cette lave. Je créerai, je trouverai un mode qui me rendra, qui me donnera des bottes résistantes à la lave. Voilà, c'est dit. Non, non, je suis désolé, la musique toute douce, elle a rien à faire là. Hop. Je t'esquive, moi, l'ami. Je t'esquive, moi, l'ami. Je rappelle, chers amis, que vous pouvez passer sur le Tipeee de la chaîne, donc vous retrouverez dans la bannière directement, au niveau en bas à droite, au niveau des liens de la bannière. Pour financer le 300ème épisode de Robocraft et donc faire un opening. Sachant qu'après il y aura potentiellement, je ferai peut-être un Tipeee avec vous chers amis, suivant si vous êtes d'accord ou pas, pour financer un nouveau serveur Starbound à l'arrivée de la 1.0. On verra comment ça va se passer, hein, on verra le financement qu'on aura ensemble chers amis. Je mettrai sûrement la moitié, enfin ce que vous mettrez vous ensemble, moi je mettrai sûrement la même quantité d'argent je pense, si je le peux, histoire qu'on puisse financer quelque chose de qualité, de meilleure qualité que le dernier truc qu'on a eu. Parce que j'ai pas du tout apprécié la qualité de MGSR, je suis désolé pour eux hein, s'ils me regardent, s'il y a des gens qui me regardent ou n'importe quoi, mais je n'ai pas du tout apprécié cette qualité. Et je n'ai pas envie de continuer avec eux. J'espère aussi que Chucklefish aura fait ce qu'il faut pour augmenter la protection du serveur contre les... Contre tout, contre les... Contre les comment, les gens qui pètent le serveur, etc, etc. Oh non. Ah putain. Ah. Je parle et je suis pas concentré. Contre les griffeurs, donc voilà. Cherchez le mot. On va changer de planète. Volcanique, mon cul. Hop. Ah, tiens, il y avait une snow. Ah, Frozen World. D'accord, on y va. Hop. Donc, ouais, j'aimerais pouvoir en tout cas pallier au griffeur. Mais bon, j'espère que ça sera fait avant la sortie du jeu, quoi. Alors. Je regarde la durée, non c'est bon. Je n'ai aucune, en fait le problème avec Starbound c'est que je n'ai aucune notion de temps. Comme beaucoup, comme pour Far Cry, comme pour Fallout. Alors que dans Robocraft, par exemple, je sais que en fait une partie est assez courte. Donc j'ai une notion du temps qui est en fait en fonction du nombre de parties que je fais. Mais pour Far Cry, Fallout et Starbound, j'ai aucune notion de temps. C'est une véritable catastrophe. Wow. Ah putain, mais il y en a encore d'autres. Hop. Dégage. De l'or. De l'or. Des montagnes d'or. Je vais essayer moi de bosser sur un petit détail, chers amis, soyons honnêtes. Hein. C'est un détail qu'il y aura en début d'épisode de Starbound. Que je referai peut-être pour chacune des séries que je tournerai à partir de ce moment-là. Suivant la difficulté à laquelle. Enfin, suivant la difficulté avec que j'ai pour réaliser ce petit truc. C'est un détail, chers amis. Hein. C'est parce que apparemment vous réclamez beaucoup
Enfin, dans les commentaires, je vois certains qui réclament, par exemple pour Robocraft, les noms d'épisodes. parce qu'apparemment, je suis inspiré et du coup, bah, ça me donne des idées. Et comme j'ai ces idées en tête, j'ai envie d'essayer de les faire. C'est vraiment du détail, de l'ordre du détail, chers amis. Hein. Mais moi, ça me fait rigoler et on verra bien ce que ça va donner. On verra bien. Hop, excusez-moi, bonjour. Bonjour, messieurs, dames, les avions. Hop, c'est où est-ce qu'il est, le vendeur? Je crois que le v'là. Voilà. Phoenix Graves. D'accord. Je vais t'acheter quelques flares. J'aime bien ça, les flares, moi. Ça stylé, on l'utilise pas assez, on devrait. Je devrais l'utiliser un peu plus. Allez, viens. Ah, vache. Je crois qu'il m'a touché. Non, c'est bon. Ok. Alors. Bonjour, les gens. Oui, je sais, il fait froid. Et alors? Comment il a verrouillé l'airlock sur ma gueule? Wesh, ma gueule. Bonjour. T'as pas genre un peu froid? Si t'aimes la neige, t'es dans le bon endroit. Bah oui, effectivement. Et j'aime la neige en plus, en vrai. Oh! C'est nouveau, ça. J'ai jamais vu ça. Intéressant. Intéressant. Alors là, j'ai jamais vu ça. Comme quoi, vous voyez, après tant d'heures de jeu dessus, on est encore surpris. Hop, tiens, bouffe. Si je peux pas récupérer ça, je vais virer quelque chose pour pouvoir le faire. D'accord. Oh là. Dégage, hop les. Mais c'est carrément un petit complexe. Hop. Voilà. Pouf. Vas-y, viens, je t'attends. Je t'attends. Recule. Recule. Ah bah non, il a pas reculé parce que c'est l'explosion. Hop les. Diversifie un petit peu les armes. Oula, deux coffres à... Oula, c'est pas ce que je voulais faire non plus. Bon, si je peux pas récupérer le diamant, ça va pas le faire. Alors cette arme ne fait pas de dégâts. Viens me voir. Hop les. Cette arme ne fait pas de dégâts, c'est embêtant. J'avais cru voir une autre arme. Explosive shot. D'accord, inintéressant. Parfait. Hop, j'ai récupéré ce que je voulais. Putain, il était hors de portée. Hop les, voilà. Alors. Oh, un biome steam. Génial, je les adore. Ils sont magnifiques, ils sont tellement dynamiques. Surtout. Avec tous ces jets de vapeur à droite à gauche. Hop. Voilà. Hop. Tu ne m'auras pas. Je me rappelle plus ce qu'il y a là-dedans. Ah, le bruit de tôle. Ah oui, exact. Le gros bruit de tôle. Voilà, regardez ça. Si c'est pas magique. Un petit peu de dynamisme ici, un petit peu de choses par là. Et ça rend la zone vivante. Ça rend la zone tellement plus vivante. En tout cas, s'il y a une chose qui me manque un petit peu, je l'avoue, chers amis, ce sont les mini-boss. Par exemple, là, vous voyez, j'aimerais bien activer genre ça. Et que là, il y a un mini-boss qui s'en éjecte. En avoir un par biome, ça serait sympa. En tout cas, par gros biome. Pas par biome secondaire, mais en biome principal. Enfin, c'est mon avis, encore une fois, hein, mais...
Raté. Tous les deux. Vous avez tous les deux raté. Hop. Hop. Alors. De toute façon, on verra bien à quoi le jeu ressemblera en 1.0. De toute façon, le 1.0 n'est pas la fin du jeu, je le reprends. Wouhou! Ah, ça c'est cool. Une des fameuses armes à crafter. Améliorable à crafter. Je ne sais plus si je l'ai. Donc là, on va monter, chers amis, on va aller voir. Alors, c'était par là. Alors déjà, on va prendre un gauntlet parce que j'imagine qu'il en faut un. Non, on va d'abord aller voir. Il va sûrement falloir des sharpened claws. Hop, voilà. Armes. Il n'y en a pas là. Ah oui, elles sont juste à la forge, c'est vrai. C'est vrai. Claw gloves. 15 Dash slash, not adamantium but still cool, d'accord. Je sais plus si j'en ai d'ailleurs, attendez, je vais me dépêcher un petit peu. Je sais plus si j'en ai. Non, j'ai des gants mais j'ai pas les... D'accord. On va virer la bouffe. L'autre elle me fait chier à casser tout le temps. Oui parce qu'elle a encore ouvert le... J'en ai que 6, il va falloir qu'on ait farmé ça dans le prochain épisode, chers amis. Alors. Donc on est bon. De toute façon, je vais pas vous donner le supplice du rangement. Eh bien, écoutez, les amis, je pense qu'on a bien rentabilisé cet épisode avec ce petit plan. Merci de l'avoir regardé. En tout cas, n'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam. Joueur de la Playroom, votre lien derrière de la chaîne. Vous pouvez aussi retrouver un lien vers mon partenaire GamesPlanet.com qui m'a gracieusement offert plusieurs jeux et je les en remercie. Vous pouvez aussi y retrouver un lien vers mon Tipeee pour financer le 300e épisode de Robocraft vis-à-vis d'une opening de crates. Encore une fois, merci à ceux qui vont tipper, merci à ceux qui ont tippé au moment où je posterai cette vidéo. Merci à tous, c'était Marcus Benu dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures, salut les gens. Et yop. Et yop.